Hola, mis queridos alumnos de la quinta, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, hoy vamos a seguir corrigiendo los ejercicios que tenían que hacer la semana pasada con la segunda hoja de ejercicios, la que es titulada Ejercicio de refuerzo, verbo ser, tener y llamarse. ¿Vale? A ver, con este video vamos a repasar los verbos básicos del español, como el verbo llamar, el verbo tener, ser, hablar, vivir, etcétera y etcétera. ¿Vale? Alors, je repasse au français pour vous faire la correction et pour vous donner toutes les petites explications. Alors, il me semble que cette deuxième fiche d'exercice était assez simple, à part peut-être pour le deuxième exercice. Mais bon, on va déjà faire le premier exercice. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'assure qu'on a bien en tête toutes les conjugaisons des cinq verbes dont on va avoir besoin pour faire correctement toute cette feuille d'exercice. Alors, vous les avez probablement repérés, les cinq verbes dont on va avoir besoin. On a bien entendu le verbe ser, le verbe tener, le verbe llamarse, le verbe hablar et le verbe vivir. Alors, on revoit très rapidement les conjugaisons. Verbe ser, c'est l'un des deux verbes être. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros ou nosotras somos, vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. ¿Vale? Allez, on continue. Verbe tener, ça veut dire avoir. Yo tengo. Alors là, vous voyez la petite irrégularité à la première personne. On rajoute un petit G, tengo. On a la racine ten et on rajoute G et on a O pour effectivement la terminaison O qui signale la première personne du singulier. Tengo, tú tienes. Et là, vous voyez encore une fois, petite irrégularité, on a la diphtongue. Le N devient yen, d'accord? Tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, là on n'a plus de diphtongue. Vosotros tenéis et ellos, ellas, ustedes tienen. On retrouve la diphtongue à la troisième personne du pluriel. Ensuite, verbe llamarse qui est pronominal puisqu'on a un pronom objet qui vient s'insérer devant le verbe, d'accord? Yo me llamo, je m'appelle. Et si je t'appelle toi au téléphone, je t'appelle, je te dis yo te llamo a ti. Okay, mais bon, bref, on va rester avec le je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Ok? Allez, rápido, on continue avec hablar, comme dans hablo español, je parle español, le verbe parler. Ok? Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotras habláis. Ustedes hablan, ¿vale? On continue avec le dernier, le verbe vivir, qui veut dire vivre. Je vis, par exemple, je vis en France, je vis à Bagneux, etc. Yo vivo en Francia. Tú vives en Francia también, hein? Toi aussi, tu vis en France. Usted vive. Nosotros vivimos. Vosotras vivís, avec le petit accent, hein, sur le i. Donc, vous vous souvenez bien qu'avec la personne vosotros, vosotras, la deuxième personne du pluriel, on a toujours le petit accent, ok? Eis, eis, is. Ustedes viven. Ok, c'est bon, on a remis un petit peu en tête toutes les conjugaisons des verbes. Alors, on passe rapidement, rapido, à l'exercice 1, le premier ejercicio. Et donc, la consigne, c'est subraya la forma adecuada. Donc, ça veut dire qu'à chaque phrase, vous avez vu en gras, vous avez deux propositions. Il y en a une qui est fausse et une qui est juste. Facile. Donc, subrayar, ça veut dire souligner. Donc, souligner, d'accord? Pas entourer, pas cocher, souligner. Mais bon, c'est pas très important. Alors, première phrase. Nicolas, tengo ou tiene 20 años. Alors, facile. Nicolas, c'est un prénom. Donc, on se doute bien que c'est la troisième personne du singulier. Okay? Si c'était Nicolas, toi, tu as 20 ans, on aurait dit Nicolas, tú tienes 20 años. Mais de toute façon, on a le choix entre tengo et tiene. Tengo, c'est, comme on l'a vu, la première personne, donc ça ne peut pas être juste.
¿D'accord? Nicolas a 20 ans. Nicolas tiene 20 años. Deuxième phrase. La hermana de Isabel son ou es española. La hermana de Isabel, c'est la sœur d'Isabelle. Donc, ça c'est le sujet, la sœur d'Isabelle. La sœur d'Isabelle, encore une fois, troisième personne du singulier, donc c'est es, puisque son, c'est la troisième personne du pluriel. Si c'était las hermanas de Isabel, là on aurait eu son, mais comme c'est au singulier, la hermana, c'est es, española. La sœur d'Isabelle est espagnole. Troisième phrase, yo, alors là, aucun doute, me llamo Carolina. Quatrième phrase, nosotros tenemos una casa grande. Nous avons une grande maison, la casa, la maison. Okay? Vosotros os llamáis Julio y Antonio. Vous vous appelez Julio et Antonio. Julien et Antoine. Et enfin, dernière phrase, ellos, troisième personne du pluriel, son profesores. Ils sont professeurs. Sois, c'est bien entendu la deuxième personne du pluriel, vosotros. Donc si c'était vosotros, sois profesores, ellos son profesores. Ok? On passe maintenant au deuxième exercice qui peut-être aurait pu être un petit peu plus compliqué parce que, effectivement, il y avait un petit piège dans le titre. On dit, on vous donne les verbes ser, tener et llamarse, mais en réalité, si vous avez un petit peu compris, et que vous êtes un peu accroché, vous avez vu qu'en fait, il y avait encore deux autres verbes qui ne sont pas signalés dans le titre dont vous aviez besoin pour faire cet exercice. Des petits textes à trous comme ça. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre le sens général de la phrase et surtout, encore une fois, repérer les sujets. Donc là, commençons. On voit, on a d'abord Hola amigos, salut les amis. Et là, on a un trou. Estrella y escribo este correo para presentarme. Donc là, on voit que effectivement il manque un verbe, mais on a un deuxième verbe juste après qui est conjugué, et donc on voit très bien que c'est le même sujet qui correspond pour les deux verbes, pour les deux propositions. Et si on regarde escribo comme du verbe escribir, d'accord? Escribo, on voit la terminaison en o, qui est toujours la première personne du singulier, donc je. Ok? Donc on sait que le sujet du verbe c'est je. Estrella, et j'écris ce courrier pour me présenter. Et là on a un deuxième indice, le pronominal infinitif presentarme. C'est pas presentarte, encore que ça aurait pu aussi fonctionner. On a deux possibilités pour choisir le verbe. On sait que déjà qu'on doit le conjuguer à la première personne, mais on a le choix entre deux verbes possibles. Hein. Estrella, on se présente. On peut dire je suis Estrella ou on peut dire je m'appelle Estrella. Donc c'est les verbes ser ou llamarse. Alors avec le verbe ser, ça donne Hola amigos, soy Estrella y escribo este correo para presentarme. Et avec le verbe llamarse, ça donne Hola amigos, me llamo Estrella y escribo este correo para presentarme. Ensuite, on a une autre petite phrase, elle continue. 20 años. Donc là, on sait encore qu'elle continue de parler d'elle, donc c'est toujours elle le sujet de la phrase. 20 años, 20 ans, donc elle donne son âge. Et comme on dit, j'ai 20 ans, le verbe avoir, c'est le verbe tener. Et donc si vous vous souvenez, on vient de le voir il y a 2 minutes, tener, première personne, c'est tengo. Donc tengo 20 años. Et ensuite on a en Madrid, en un piso compartido con una amiga que Clara. Alors là, ça commence à se corser un petit peu. On repère en Madrid. Madrid, c'est le nom de la capitale de l'Espagne, Madrid. Et si vous ne saviez pas que c'est le nom d'une ville, vous avez la lettre en majuscule qui indique que c'est un nom propre. D'accord? Donc, on devine que on parle d'un lieu. Ok? En Madrid, à Madrid, en un piso compartido. On a vu la dernière fois avec l'exercice, le premier exercice, que piso, c'est l'appartement. Compartido, ça veut dire partager. Mais ça, c'est pas très important pour pouvoir conjuguer le verbe. Donc,
À Madrid, dans un appartement partagé, forcément là, le verbe qu'on connaît, c'est vivre. Hein. Je vis à Madrid dans un appartement partagé. Donc le verbe vivre, c'est vivir, première personne, yo vivo. Yo vivo en Madrid, en un piso compartido. Et là, introduction d'une subordonnée, que, donc une amie qui, Clara. Donc là, elle présente sa colocataire, et c'est facile, elle donne son prénom, donc on devine que c'est encore une fois le verbe llamarse, d'accord? Donc on reprend. Vivo en Madrid, en un piso compartido con una amiga que se llama Clara. Je vis à Madrid, dans un appartement partagé, en colocation, avec une amie qui s'appelle Clara. Vous notez bien le nouveau vocabulaire. Si vous n'aviez pas compris le sens de la phrase, vous notez la traduction en français à côté, en prenant la correction, bien entendu. Allez, on continue. Là, on nous donne le pronom. Sujet, yo, donc c'est facile. Yo, diseñadora de moda, y ella, traductora. Donc là, elles nous donnent des informations sur leur profession, sur le boulot qu'elles exercent, le job qu'elles ont, d'accord? Alors, moi, Estrella, yo, diseñadora de moda, créatrice de mode, y ella, c'est Clara, traductora, elle est traductrice. Ok? Donc, avec les professions, quand on indique la profession, on sait que c'est le verbe ser. Donc, yo soy diseñadora de moda, y ella es traductora. Moi, je suis créatrice de mode, et elle est traductrice. Ensuite, elle va nous parler un petit peu de Clara. Clara, español y árabe, porque su padre, egipcio. Donc là, elle nous parle de langue, hein, on a remarqué, espagnol y árabe, l'espagnol et l'arabe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des langues? On les parle. Et le verbe parler, c'est hablar. Et comme Clara, c'est la troisième personne du singulier, Clara habla español y árabe, porque su padre, égyptien. Donc là, elle nous parle de son père. Elle nous explique comment ça se fait que Clara parle espagnol et arabe. Et en fait, c'est parce que son père est égyptien. Égyptien, c'est l'adjectif de nationalité égyptien. Donc, su padre es egipcio. Yo soy francesa. Estrella es española. Y el padre de Clara es egipcio. ¿Ok? Ensuite, buenas amigas. Alors là, elle nous dit bonnes amies. Si vous vous souvenez, on n'est pas obligé d'indiquer le pronom sujet lorsque l'on écrit en espagnol. En espagnol, le sujet est implicite. On le connaît grâce à la conjugaison du verbe. Et là, elle nous dit tout simplement que elle et Clara, sa colocataire, sont de bonnes amies. Donc, c'est le verbe être. Nous sommes de bonnes amies. Première personne du pluriel, nous. Nosotras somos buenas amigas. OK? Et enfin, on termine avec les deux dernières phrases où elle va nous parler de son frère. También un hermano que Carlos. Mi hermano, 18 años y estudiante. Donc là, elle nous dit aussi, en plus, également, también c'est aussi, j'ai aussi un frère. Ok? Verbe avoir, tener, toujours première personne, también tengo un hermano que Carlos. Elle présente son frère, elle dit comment il s'appelle. Tengo un hermano que se llama Carlos. Et là, elle donne l'âge de son frère. Quel âge il a? Donc le verbe avoir, mi hermano, troisième personne du singulier, mi hermano tiene 18 años y es estudiante. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice le plus difficile. Après, c'est trop fastoche. Troisième exercice, rapidement, on vous donne les verbes entre parenthèses. Donc là, il n'y a pas à deviner, il y a juste à repérer le sujet et le conjuguer correctement. Donc, yo, moi, première personne, yo soy de Argentina. Je suis originaire
entre parenthèses, d'Argentine. Je viens d'Argentine, je suis d'Argentine. Deuxième phrase. Mis amigos Rubén y Raúl. Donc, mes amis, troisième personne du pluriel. Tienen dos hermanas. Mes amis Rubén y Raúl ont deux sœurs. Mi madre, donc troisième personne du singulier, ma mère. Mi madre se llama Pilar. Mi padre, encore une fois troisième personne du singulier, tiene 60 años. Mon père a 60 ans. Alors, il manque le petit signe du aîné, parce que là... Ensuite, dernière phrase. Nosotros, nous, somos estudiantes y nos llamamos Nuria y Elena. Voilà. Enfin, quatrième exercice. Là, c'est toujours le verbe ser, donc, encore une fois, repérer le sujet pour savoir à quelle personne il faut conjuguer. Donc, Canada es un país. Le Canada est un pays. Mi hermana es joven. Ma sœur est jeune. Usted es española? Êtes-vous espagnol? Nosotros no somos estudiantes. Nous ne sommes pas étudiants. Mi piso es pequeño. Mon appartement est petit. Ellos son electricistas. Ils sont électriciens. Juan y Sonia son de Malaga. Juan y Sonia sont de Malaga, viennent de Malaga, sont originaires de Malaga. Voilà, donc ça c'était pour les exercices que vous aviez à faire. À présent, j'aimerais juste revenir sur le fait qu'en espagnol, il y a deux verbes pour le verbe être. Et je sais que vous êtes un petit peu inquiet de savoir dans quel cas on utilise ser et dans quel cas on utilise estar. D'accord ? Alors déjà, avant d'expliquer ou d'essayer d'expliquer dans quel cas on utilise ser et dans quel cas on utilise estar, on revient rapidement sur la conjugaison. Donc ser, on l'a déjà vu, soy, eres, es, somos, soy, son. Pour estar, vous la connaissez déjà, mais on se la revoit un petit peu ensemble. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotras estáis et ellos están. Et on n'oublie pas de mettre sur le verbe estar toujours le petit accent sur le A pour tú estás, él está, vosotros estáis, comme d'habitude, et ellas están, ok? Le verbe ser... En général, on l'utilise pour parler de choses qui sont définitives, qui sont permanentes. C'est le sens littéral. Et le verbe estar, c'est pour les choses qui sont plus des états temporaires, d'accord, qui peuvent changer, ou le sens figuré. Ok ? Alors, je vous donne une petite liste d'exemples parce qu'en fait, il faut vous habituer. C'est avec l'habitude que vous allez vraiment apprendre à utiliser correctement ser ou estar. Moi, je vous avoue qu'il m'arrive encore des fois de me tromper, de ne pas employer le bon verbe. Et c'est vraiment à l'habitude qu'on arrive vraiment à savoir assez intuitivement s'il faut mettre ser ou s'il faut mettre estar. On a déjà certains cas de figure où on sait qu'on utilise ser et certains cas où on sait qu'on utilise estar. Ser, ça va être pour se décrire. Se décrire physiquement, moralement, donner des informations sur son identité, sur sa profession, pour donner des caractéristiques qui sont permanentes. Par exemple, je suis française, je suis une femme, je suis rousse, je suis blanche, etc., etc., d'accord ? Donc, par exemple, soy una chica amable, je suis une fille aimable, Juan es español, pour les adjectifs de nationalité, Juan est espagnol, mi hermana es estudiante, ma sœur est étudiante, donc voilà, pour indiquer les occupations, les professions. Jack y Zhang son de China, Jack et Zhang sont de Chine. Ensuite, on a aussi pour indiquer les relations interpersonnelles, que ce soit les liens de famille, les liens d'amitié, les liens d'hierarchie. Par exemple, Maria y Lucia son buenas amigas, ok? José es mi jefe, José est mon chef.
Ensuite, on a pour indiquer le lieu ou le moment d'un événement ou pour donner des informations sur la date, sur la saison, sur l'heure. D'accord? Par exemple, el partido de fútbol es el domingo. Le match de foot est le dimanche. A lieu le dimanche. D'accord? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? Son las 10 de la mañana. Il est 10 h du matin. ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. On accorde là le verbe ser avec le chiffre 10, d'accord? Puisque c'est pluriel. Donc son las 10 de la mañana. Ensuite, on peut aussi employer le verbe ser avec la préposition para, qui indique le but. Par exemple, este regalo es para ti. Ce cadeau est pour toi. Esa máquina es para exprimir naranjas. Cette machine sert à presser les oranges. D'accord? Là, attention, exprimir, c'est un faux ami. Exprimir, ça veut dire presser, comme presser des agrumes. Ça ne veut pas dire exprimer. Exprimer, c'est expressar. D'accord? Il y a aussi pour indiquer la possession, l'origine ou la matière d'un objet. D'accord? Par exemple, ese anillo es de oro. Es de mi mamá. Cet anneau, cette bague est en or et elle est à ma mère. Elle appartient à ma mère. D'accord? Et on a enfin pour former la voix passive. Vous connaissez la voix passive, par exemple, vous avez le chat mange la souris, voix active. La souris est mangée par le chat, voix passive. On dit la même chose, mais on inverse le sujet et l'objet, et donc on passe la voix de l'actif au passif. Donc par exemple, mi libro preferido es escrito por Carlos Ruiz Zafón. Mon livre préféré est écrit par Carlos Ruiz Zafón. Et c'est celui-là, La Sombra del Viento. Il est trop bien, ce livre. Voilà, donc ça c'était pour le verbe ser et pour le verbe estar, on a pour décrire son état de santé ou son humeur, donc quelque chose de temporaire. Par exemple, ¿Por qué estás triste? Pourquoi es-tu triste? Estoy cansada, je suis fatiguée. Vous voyez, triste, je suis triste maintenant, mais peut-être que tout à l'heure je serai contente. Là, tout de suite, je suis fatiguée, cansada, ça veut dire fatiguée. Mais si je fais une sieste, après, je ne serai plus fatiguée. Donc, c'est quelque chose de temporaire, donc on va mettre estar. D'accord? On utilise aussi estar pour parler de son statut, par exemple le statut marital. D'accord? Mis padres están divorciados. Mes parents sont divorcés. Mi hermano está soltero. Mon frère est célibataire. Divorciado. Divorcé, soltero, célibataire. On a estar pour indiquer la localisation de quelque chose, pour dire où se trouve quelque chose. Estoy en mi cuarto. Je me trouve là, dans ma chambre. La Torre Eiffel está en París. La Tour Eiffel est à Paris, se trouve à Paris. El profesor está en la aula de la clase. Le professeur est dans la salle de classe. On utilise aussi le verbe estar avec les prépositions a, les prépositions de avec un nom commun. Par exemple, estoy a punto de empezar las tareas. Je suis sur le point de commencer les tâches ou les devoirs. Las tareas, ça peut être les tâches domestiques ou ça peut être aussi les devoirs d'école. Juana está de mal humor. Juana est de mauvaise humeur. Donc là, on a de et humor, et on qualifie humor avec mal, donc de mauvaise humeur. On peut dire aussi Juana está de buen humor. Los alumnos están de vacaciones. Les étudiants sont en vacances. On a aussi estar avec les adverbes de mode, par exemple. Vamos a cenar a las 7. ¿Está bien? Si, está bien. On va dîner à 7 h. Ça te va? C'est bon? Oui, ça me va. C'est bon. Está bien, si. Si, está bien. On utilise aussi estar pour former le présent continu, qu'on appelle aussi parfois le présent progressif, c'est-à-dire le verbe estar avec le gérondif, le participe présent, d'accord? C'est être en train de. L'équivalent en anglais, c'est le verbe be avec ing, d'accord? I am doing. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'es-tu en train de faire? Et bien en espagnol, c'est pareil, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Estoy jugando con mis amigos. Qu'est-ce que tu fais? Qu'es-tu en train de faire? Je suis en train de jouer avec mes amis. Voilà, j'espère que ces petits points peuvent vous aider.
à comprendre à quel moment on peut employer ser et à quel moment on peut employer estar. J'ai pas une règle définitive parce que des fois il y a des exemples qui contredisent un petit peu. Donc c'est vraiment à l'habitude. Mais de manière générale, souvenez-vous que ser c'est pour le sens littéral, ce qui est définitif, ce qui est permanent, et estar c'est pour le sens figuré, pour un état temporaire ou pour une localisation. D'accord? Parce que des fois aussi, par exemple, quand on utilise des verbes d'état avec des adjectifs, d'accord, bah, on peut très bien employer ser comme on peut employer estar, mais le sens va un petit peu changer. Par exemple, si je vous dis mais tu es aveugle, aveugle, donc on a l'adjectif aveugle avec le verbe être, tu es aveugle. Aveugle, ça peut être vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire biologiquement, je suis aveugle, je suis atteinte de cécité, je ne vois pas, je suis malvoyante. Donc là, on va dire soy ciega. D'accord? Mais si vous parlez à quelqu'un de manière. Si vous dites au sens figuré, mais t'es aveugle ou quoi? T'as pas vu la voiture qui passait, ça va pas? Ou je sais pas quoi, une situation comme ça. Et bien là, vous allez dire estás ciega? Ok, qué pasa? Estás ciega? T'es aveugle, d'accord? Parce que c'est pas une caractéristique, une qualité inhérente à la personne, c'est une façon de parler, d'accord? Donc là, on va plutôt dire estar, ok? Donc, je m'arrête là. Une dernière petite chose, puisque vous savez que le confinement, bon, va se lever progressivement, mais que comme nous sommes en zone rouge, nous n'allons pas reprendre tout de suite l'école, donc je vais continuer à vous faire le plus possible des petites vidéos pour vous expliquer des choses d'espagnol. Et donc, j'aimerais vous proposer de faire quelque chose un petit peu à la carte, de savoir qu'est-ce que vous voudriez aborder dans les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la révision de ce qu'on a déjà vu, par exemple les présentations, comment on se présente, comment on salue les gens? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point grammatical sur les verbes à diphtongue et à affaiblissement? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite capsule pour vous expliquer l'accentuation? Pourquoi dans certains cas, par exemple avec le verbe estar ou avec certains pronoms, on a des accents, d'accord, des petites tildes? Est-ce que vous voulez que je vous enseigne des choses nouvelles qu'on n'a pas encore vues? Par exemple, la formation du passé composé, de l'imparfait, du présent continu qu'on vient de voir, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'estás haciendo? Ou la voix passive, est-ce que vous voulez qu'on voit la voix passive? Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse dans les prochaines vidéos, dites-le-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur École Directe, comme vous voulez. Et moi, je vous fais parvenir cette semaine pour continuer à vous entraîner des exercices sur les accords du verbe gustar qu'on a vu la dernière fois et sur. Pour vous entraîner à distinguer l'emploi du ser et l'emploi du estar. Donc voilà, c'est les deux feuilles d'exercice que vous aurez à faire cette semaine. D'accord? Voilà, c'est tout. Je m'arrête là et je vous laisse vaquer à vos occupations. Prenez bien soin de vous. Hasta la próxima. Ciao! It's not true. Tell me.